C'est du beau travail, on est en bonne position. Vos pneus, tout semble marcher convenablement. Moindre souci, préviens-nous. Constater un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Ton moteur montre de petits signes d'usure, il va perdre de la puissance.
nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. La fenêtre de ravitaillement est ouverte. Stand. Fonce. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui.
Au travail. Charles va s'arrêter. L'écart avec le pilote de devant est de 2,7 secondes. L'écart avec la voiture de derrière est de 6,6 secondes. Attention, attention. Retour à la normale. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Le turbocompresseur est à genoux. Essaie de le préserver un peu.
es dans les 10 premiers. Continue comme ça. À peu près 3 tours de carburant. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. L'écart avec notre coéquipier est de 21,6 secondes. Du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il vaut mieux rouler à bas régime. Superbe perf, tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Et voici les vainqueurs du jour, une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari.